Bienvenue à l'autre jardin. Aujourd'hui, on va ensemble planter les vivaces dans un massif. C'est un travail qu'on peut faire à différentes saisons. On peut le faire au printemps idéalement, dès que le sol n'est plus gelé et qu'il est mouillé sans être trop mouillé, c'est important. Ou bien vous pouvez le faire à l'automne. Ce qui est bien, c'est qu'on a fait un pré-travail. On a commencé par décaper l'herbe qu'on voit encore ici, le labour, et l'automne, l'hiver, avec gel, dégel, il a travaillé pour vous, le gel, dans le sens où les mottes de terre sont déjà toutes défaites et il ne nous reste plus qu'à passer un coup de crochet pour ameublir ce sol. Alors, coup de crochet, ça c'est un de mes outils préférés, parfait aussi pour égaliser le sol. Et quand vous travaillez avec cet outil, vous finissez d'ameublir le sol. Bien entendu, ce qui est très important, c'est de bien regarder qu'on n'ait plus de mauvaises herbes. Mauvaises herbes telles que chiendent, liserons, renoncules, acres, ce type d'herbes qui sont vivaces et qui, avec leurs racines, vont ressortir du massif. Ensuite, c'est sûr que quand on parle de mauvaises herbes, on aura certainement après des annuelles qui vont sortir au moment après la plantation. Alors vous avez deux possibilités. Vous préparez votre sol, vous attendez que ces mauvaises herbes sortent, il faut attendre 2, 3 semaines, et vous retravaillez une deuxième fois le sol. À Cormeiro, on n'utilise pas d'herbicide. Et quand vous avez vraiment encore des racines comme celle-ci, vous retirez, voilà, mettre de côté, ça passera au compost. Et comme ça, vous avez une surface qui est prête à être plantée avec vos vivaces. Quelles sont les règles de base à respecter pour installer les plantes vivaces dans un massif? D'abord, vous avez des plantes qui vont bien pousser à l'ombre, à la mi-ombre ou en plein soleil. Ça, c'est une première règle. Ensuite, vous avez les végétaux qui apprécient de pousser dans un sol sec ou des végétaux qui aiment pousser dans un bon sol riche, humide. Ça, il faut le savoir. Ici, dans le cas présent, on a une situation plein soleil. On est dans un bon sol limoneux. On va pouvoir vraiment associer les trois végétaux qu'on a ici. C'est le baptisia qui ressemble à un lupin, intéressant en feuillage. L'hellebore botanique, l'hellebore purpurescens qui fleurit déjà. Et puis, le notaire avec un feuillage rouge qui aura une belle floraison jaune durant l'été. Ce qu'il faut savoir, c'est que les vivaces ont des végétations différentes. Le baptisia va venir très large, assez haut, donc vous le mettez plutôt sur l'arrière du massif. Et puis il faut toujours leur donner la place dont ils ont besoin, ça ne sert à rien de trop serrer les plantes. Et les bords moyennement hautes, peut-être plus proches du bord. Et le notaire, comme c'est une plante pas très haute, c'est une plante que vous allez pouvoir installer en bord de massif. Regardez bien quand vous achetez vos plantes chez le pépiniériste, qu'elles ont un bon système de racines. Il faut que ce soit en même temps bien présent et en même temps, si vous n'avez que des racines dans le pot, c'est que la plante est restée trop longtemps dans le pot. Maintenant, il s'agit de faire votre trou de plantation. Là, on a une terre bien meuble, qui est vraiment de bonne qualité. Et je rajoute un tout petit peu de raclure de corne, pas trop, et de granulés de fumier bovin. C'est des engrais organiques qui ne vont pas brûler la plante. Ce qui est important, c'est que vous allez installer votre plante dans son trou de plantation et elle va être plantée à peu près 1 cm plus bas que le niveau du sol. On installe la deuxième plante, un petit peu de raclure de corne, de fumier bovin. Donc ce qui est très important, c'est que la motte de la plante soit 1 cm plus bas que le niveau du sol. Et puis avec vos doigts, vous tenez bien, vous serrez bien la plante au collet qu'elle tienne. Pourquoi est-ce que la plante doit être 1 cm plus bas que le niveau du sol? Quand vous allez venir avec de l'arrosage, vous allez de toute façon avoir votre sol qui va se tasser, qui va descendre. Quand vous arrivez dans l'hiver, le gel aura tendance à faire ressortir la motte de la plante. En les enfonçant correctement, en les serrant au collet, de cette manière, vous mettez toutes les chances de votre côté. Il y a deux choses qui sont hyper importantes. C'est l'arrosage. On va regarder que les plantes soient bien mouillées, bien humides pour bien pouvoir démarrer. Et vous allez suivre l'arrosage durant la première année de la plantation. Et le deuxième travail, vous allez suivre aussi tout ce qui est désherbage. Et là, je vous déconseille de faire des désherbages avec des outils parce que vous risquez de bouger les plantes inutilement avant qu'elles soient bien enracinées. Et c'est tout bon. Votre plantation peut démarrer.